Bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous accueillons Muriel Gardret, connectée depuis la France et plus précisément de Versailles. Muriel va nous présenter un sujet passionnant, l'Ennéagramme, un outil de coaching et une démarche de développement du leadership. Bonsoir Muriel. Bonsoir Yotis, bonsoir Fénissa, bonsoir à chacun. Alors Muriel, ils sont très 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 nombreux pour l'Ennéagramme et avant donc de parler de l'Ennéagramme, on va un peu parler de toi. Donc Muriel Gardret, tu as débuté ta carrière en tant que professeur de français auprès d'un public en grande difficulté. Passionnée par le leadership et motivée par le recentrage de la stratégie RH des sociétés sur le développement des talents et le mieux-être en entreprise, tu deviens RH international et te lances dans l'entrepreneuriat en fondant Diragir, une entreprise spécialisée en leadership et talent management. Formée au coaching dans les débuts des années 2000, dans plusieurs écoles, International Mosaic, Coaching Ways, Center for Executive Coaching aux USA, aujourd'hui tu es coach PCC, superviseur, formatrice et également membre du conseil d'administration de l'ICF France et tu t'occupes de l'international et de la communication. Ancienne membre du board de l'association francophone de l'Ennéagramme, IEA, maître praticienne en Ennéagramme et pratique l'Ennéagramme depuis 15 ans, tu es formée à différentes approches dans différents pays, en France, en Belgique, aux USA, par Hélène Palmer, David Daniels, Russ Hudson. On le comprend bien, tu es multifacette et multiculturel. Tu interviens en français, en anglais et en allemand. Tu as passé une partie de ta vie en Belgique, au Québec, au Maroc et en France. La culture, la diversité, le relationnel sont très importants pour toi. D'ailleurs, je te cite, « Je pense que nous faisons partie d'un tout et nous ne pouvons pas nous dissocier du monde qui nous entoure et vice-versa. J'aime donc le voyage, qu'il soit intérieur ou encore celui qui permet d'être à la rencontre d'autres cultures et pays. Le voyage intérieur pour rayonner à l'extérieur et vice-versa, c'est d'ailleurs ce que nous propose l'Ennéagramme. » Alors Muriel, maintenant qu'on en a appris un peu plus sur toi, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse avoir d'autres informations sur Muriel Gardret? Oui, merci beaucoup Yotis. Je vais vous donner quelques éléments d'ordre plutôt personnel. J'adore la mer, c'est vraiment un endroit que j'aime et qui me ressource énormément, qui me permet également d'avoir une vision. J'aime le vin de Bourgogne et le thé vert japonais et en fait, j'adore ce que je fais. C'est-à-dire que la partie coaching, en tous les cas, est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et aider à faire grandir, ça fait partie de mon ADN aussi. Et ça fait partie de mes valeurs qui sont importantes. Au point d'ailleurs que je parraine une association qui s'occupe d'éducation scolaire et de soins de santé. J'ai pu lire ça aussi également, en effet. Alors, tu vas nous parler donc de l'Ennéagramme, mais avant cette question habituelle que je pose, j'aimerais savoir quelle est la place qu'occupe l'Ennéagramme dans ta vie. Bonne question. Alors, l'Ennéagramme occupe une place importante. J'ai rencontré l'Ennéagramme il y a 15 ans et ça a été vraiment une grande lumière, vraiment un révélateur. Et en fait, ça m'a permis de mieux me comprendre en profondeur, de mieux comprendre aussi le fonctionnement des autres et de pouvoir, je dirais, améliorer des relations. Et je trouve que c'est tellement important, tellement puissant que je l'utilise dans mes coachings. Donc oui, l'Ennéagramme a une place importante dans ma vie. Alors l'Ennéagramme n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, hein, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est précieux et qui m'est précieux. Ben écoute, tu réponds d'une certaine manière à la deuxième question, mais je vais quand même te la poser. Alors j'ai vu sur ton CV que tu avais énormément de certifications, de formations. Pourquoi
avoir choisi l'énéagramme plutôt qu'un autre sujet? Pour aujourd'hui? Oui, alors pour aujourd'hui, parce que il y a quelques années, en fait, j'avais voulu déjà le développer ici et je pense que ce n'était pas le bon timing. Et pour moi, aujourd'hui, il me semble que ça l'est et c'est un modèle. On peut dire que c'est un outil, mais des outils, il y en a plein. Et ce qui est important, ce n'est pas l'outil en soi, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement puissant que j'ai vraiment envie de pouvoir partager avec la communauté des synergiens ce qu'est l'énéagramme et vous montrer à quel point ça peut être puissant à la fois pour vous et à la fois dans votre pratique de coach, que vous soyez coach ou que vous soyez leader coach. En tout cas, le sujet, le titre est tellement puissant qu'il a attiré énormément de monde et qui bat les records aussi bien au niveau des inscrits, mais je peux te le confirmer au niveau des participants également. Nous n'avons jamais eu autant d'inscrits et de participants depuis le début de l'ICF Synergie. Donc, félicitations à toi, donc Muriel, et également et surtout à vous, synergiennes et synergiens. Donc, merci Muriel, je t'invite à commencer ta présentation. Et moi, je m'éclipse comme d'habitude, mais je reste connecté vocalement avec toi. Très bien. Merci beaucoup, Yotis. Merci beaucoup, Félissa. Et merci à chacun. Donc, nous allons passer un moment privilégié ensemble. Au cours de ce moment, je vais commencer par une brève introduction. Je vais replacer, en fait, dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Je vais faire le lien avec les compétences du leader. Pas toutes, évidemment, mais certaines. Je vais parler de l'alignement du leader. Et ensuite, après cette brève introduction, je vais vous donner une définition, une introduction de ce qu'est l'énéagramme. Et en même temps, je vous donnerai des clés, en fait, trois clés pour que vous puissiez trouver votre type énéagramme, si le modèle vous intéresse après, si vous avez envie de lire, de vous former, etc. Donc, je vous donnerai trois clés. Et j'enchaînerai en fait sur les styles de leadership et comment ce modèle nous aide à évoluer. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Aujourd'hui, en fait, nous vivons dans un monde qui est global, où nous sommes tous interconnectés, que ce soit interconnectés sur le plan des sociétés, des pays, sur le plan des finances, sur le plan des réseaux sociaux, nous sommes vraiment très interconnectés et cette interconnexion nous demande d'avoir certaines compétences. Alors, comme le sujet concerne la partie leadership, quelques compétences du leader, il y a des compétences en termes d'impact et d'influence, des compétences relationnelles, des compétences liées à la mobilisation et des compétences notamment liées à comment je développe les personnes de mon équipe. Donc, dans le cadre de cette globalisation, les managers, ou pas d'ailleurs, les personnes travaillent de plus en plus avec des personnes qui sont ailleurs, qu'elles ne voient pas forcément, avec des cultures différentes, cultures au sens pays, mais au sens également société. Et il leur est important de pouvoir comprendre quels sont les modes de fonctionnement des uns et des autres. Et en plus de ça, il arrive que à certains moments, une personne ne soit pas forcément en phase avec la stratégie ou avec une décision ou avec une vision. Et pourtant, dans son rôle, elle est amenée à communiquer sur ça, elle est amenée à partager cela. Et donc, la question est comment je peux faire pour partager ça alors que je ne suis pas toujours forcément en phase, alors que mon entreprise peut-être s'est lancée dans un produit que je n'apprécie pas, etc. Donc, la personne est confrontée à la fois à une question de non-sens et à une question pouvant être liée à l'éthique. Et ces questions-là sont si importantes qu'à un moment donné, le leader peut se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon environnement
Et à cette réponse, il y a effectivement des choses qui sont liées à l'organisation en tant que telle, mais il peut se poser aussi la question, et moi, comment je contribue à cela? Et donc, c'est en se connaissant mieux qu'il va pouvoir en fait rayonner et avoir un impact différent dans son environnement et sur son environnement. Et par là même, il pourra trouver des réponses qui lui conviennent aux différentes questions et il pourra, par ce biais-là, également pouvoir fédérer et partager sa vision. Donc, il pourra être aligné. Et l'énéagramme, en fait, permet ça. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme? L'énéagramme, en fait, est un modèle de personnalité, mais pas que, dont le nom vient du grec, énéa qui veut dire neuf et gramme qui veut dire figure. C'est donc une figure à neuf points et ce modèle, qui est également une approche, j'en parlerai dans quelques minutes, ce modèle en fait se différencie d'autres pour trois raisons. La première, c'est qu'il s'intéresse aux motivations profondes qui sont derrière les comportements. Et donc, il s'intéresse à la question du pourquoi. Et en s'intéressant à cette question, il va également parler des comportements associés à cette motivation, mais en priorité, c'est le pourquoi. L'énéagramme en tant que modèle inclut également des croyances, des valeurs, et nous montre à quel point chaque type est quelque part enfermé dans des comportements conditionnés. Et donc, c'est aussi une différence par rapport à d'autres outils qui sont intéressants également et qui ont une valeur ajoutée certaine. Donc, l'énéagramme se différencie aussi parce que il est prédictif dans le sens où il peut nous montrer pour n'importe quel type de l'énéagramme comment ou pourquoi une personne fonctionne comme elle fonctionne et comment elle fonctionne à aujourd'hui et ce que ça pourrait donner dans l'évolution. Et ça, c'est vraiment important. Donc, l'énéagramme nous donne des clés pour évoluer, pour nous ouvrir, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Comme on a tous des blind spots, des angles morts, en fait, on ne voit pas forcément ailleurs et l'énéagramme nous permet, en fait, de faire ça. Alors, comment définir son type de perso selon l'énéagramme? Bien, l'énéagramme, en fait, c'est le seul, à ma connaissance, modèle de personnalité, vraiment, perso, puisqu'il y a des valeurs et des croyances dedans, qui prennent en compte les trois centres d'intelligence. Alors, les personnes qui ont vu la vidéo pré-webinaire ont déjà quelques informations. Mais comme il peut y avoir des personnes qui ne l'ont pas vu, je vais reprendre et donner quelques informations complémentaires. Donc, les trois centres sont le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. Le centre instinctif, comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment le centre des tripes. On est vraiment dans le cerveau reptilien. C'est le centre de la survie physique et psychologique. Et les personnalités qui appartiennent à ce centre dominant, ce sont les personnalités 8-9-1. Et en fait, elles ont en commun le fait d'agir avant de penser et de ressentir. Elles répondent donc à la question, enfin, ce qui est important pour elles, c'est la question, je fais quoi et comment je le fais? Et en termes d'apprentissage, eh bien, elles aiment apprendre par l'expérience, par les sens. Le centre émotionnel, ce sont les personnalités du type 2, 3, 4. En fait, le centre émotionnel, lui, comme son nom l'indique, on est bien dans le centre du cœur. Et les personnalités sont en fait des personnalités qui vont identifier rapidement quels sont les besoins des uns et des autres. Elles vont pouvoir y répondre et s'y adapter. Et en fait, l'émotion associée au centre émotionnel, c'est la tristesse. Et je réponds à la tristesse
si je suis type 2, type 3, type 4, de façon bien spécifique en fonction de mon type. Et il y a une espèce de quête d'identité là. Et quand ils sont en apprentissage, ce qui est important pour eux, c'est le fait de pouvoir être liés, c'est la connexion. Le 5, 6, 7, ce sont les personnalités du centre mental. Et là, comme son nom l'indique, c'est le monde de la rationalisation, de la logique, de la pensée. Et là, on est bien dans le cerveau cortex. Et donc, les personnalités qui sont dans ce centre-là, qui utilisent ce centre-là de façon préférentielle, ce sont des personnes qui vont d'abord penser avant de ressentir et avant d'être dans l'action. Et elles aiment, quand elles apprennent, il leur est important de pouvoir relier des théories et autres à des choses qu'elles connaissent déjà. Et d'ailleurs, elles peuvent prendre de la distance aussi par rapport aux événements pour pouvoir mieux les analyser et savoir comment les aborder. Donc, l'émotion associée au centre mental, c'est la peur. L'émotion associée au centre émotionnel, c'est la tristesse. L'émotion associée au centre instinctif, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la colère. La colère qui va se manifester de façon différente si je suis type 8, type 9, type 1. Donc, pour pouvoir identifier votre type de personnalité, dans un premier temps, c'est vous poser la question. Dans quel centre je suis de façon préférentielle? Bien sûr, nous avons tous les trois, on agit tous, on est tous dans l'émotion et on est tous dans le centre mental. Simplement, il y en a un qu'on utilise plus que l'autre. Donc, pour vous-même, et ça c'est une question que je vais vous poser maintenant, pour vous-même, quel est le centre que vous utilisez le plus? Et si vous avez besoin encore d'un élément d'information, le centre instinctif, les questions, c'est quoi faire et comment faire. Le centre émotionnel, c'est qui ou avec qui. Et le centre mental, c'est pourquoi ou pourquoi faire. Et donc, avec les quelques éléments d'information que vous avez actuellement, je vais demander à Yotis de lancer le premier sondage. En effet, merci Muriel. Alors, donc, premier sondage de la soirée. Compte tenu des explications, quel est votre centre dominant? Première possibilité, le centre instinctif, ensuite centre émotionnel, puis centre mental, ou alors, je ne sais pas. Quand même, vous êtes très rapide aujourd'hui. Alors, vous êtes et très calme, donc très concentré et très rapide. Donc, je vais arrêter le sondage dans quelques secondes. Voici les résultats. Je suis curieuse. Alors, donc, avec 33%, c'est le centre mental. Ensuite, 32% le centre émotionnel, 26% le centre instinctif et 9% je ne sais pas. Super, bien merci beaucoup pour vos réponses. Et les personnes qui ont répondu, je ne sais pas, c'est pas grave. Hein, il y a plein de livres et d'autres choses. Si vous voulez, on pourra en reparler en off avec plaisir. Bien, alors les trois centres. Alors les trois centres, effectivement, ils nous apportent beaucoup. Donc, on va continuer sur les trois centres. Déjà pour vous-même, en fonction de votre centre préférentiel, quelles sont les qualités que ça vous apporte? Et là, je vais vous proposer de répondre dans le chat en mettant le centre dominant et en mettant des qualités associées. Alors, Alexandra nous dit le centre mental et donc imagination. Jean-Marc nous dit émotionnel et donc empathie. Oui. Bernard, mental et donc réfléchi et factuel. Magali nous dit centre émotionnel, qualité d'empathie et d'écoute. Lisiane, centre émotionnel, empathie. Mohamed, rationnel et objectif. Donc, je ne sais pas quel est le centre de Mohamed, donc il pourra nous le rappeler. Alors, Véronique, centre instinctif, l'action, le leadership. Élodie, mental, visionnaire et curiosité. Brigitte, émotionnel, capacité à me connecter avec les gens et les animaux. Marc,
centre émotionnel, empathie, relationnel, facilitation. Johan, émotionnel, plus d'empathie. Alors, on peut continuer comme ça longtemps, ça continue. Hein. Donc, je vais encore en prendre deux. Centre émotionnel et rationnel, je pense que j'oscille entre les deux. Et donc, Gildas, instinctif, organisation. Allez, on va prendre une dernière vu que je la vois. Sylvie, instinctif et franche. Eh bien, super! Merci à vous. C'est vraiment très, très chouette de partager. Et effectivement, quel que soit votre centre dominant, votre centre, en tous les cas, vous apporte des qualités et vous est utile dans votre rôle aujourd'hui et dans votre vie au quotidien, bien entendu. Et en fait, oui, le centre mental va nous apporter de l'analyse, de la prise de recul. Le centre émotionnel va nous apporter tout ce qui touche au cœur. Et le centre instinctif va nous apporter effectivement de l'action, majoritairement, bien entendu. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous apporter la réponse à la question suivante. Donc, je préfère vous la poser. Donc, sachant qu'un leader a divers rôles, tels que la vision stratégique, le développement des hommes, l'organisation, les résultats, etc., à votre avis, à quel centre correspond chacun des rôles? Le mental correspondrait à quel rôle? L'émotionnel à quel rôle? Et l'instinctif à quel rôle? Donc, vous répondez encore dans le chat. Alors, le mental, c'est la stratégie, nous dit Sophie. Oui. Mental, c'est la vision. Alors, Ludivine nous dit mental, c'est l'organisation. Ça, c'est. J'ai vraiment une colonne qui me dit. Alors, je ne sais pas si, comment ils se sont mis d'accord, ceux-là. Alors, c'est Stéphane, Mounira, Ingrid et Narges qui nous ont dit dans la même seconde le mental, c'est la stratégie. Guillaume, émotionnel, c'est la motivation. Karine, le mental, c'est le leader, le factuel. Christelle, mental, c'est gestion de projet. Lionel, instinctif, c'est résultat. Annie, mental, c'est stratégie émotionnelle et développement des hommes et instinctif pour la gestion de crise. Yuko, c'est émotionnel, négociation. Et Bruno, mental, leader, stratège. Superbe, merci beaucoup. Bien oui, effectivement, vous avez dit tellement par rapport à ces centres. Oui, c'est tout à fait exact. Et en fait, j'ai envie de retirer une réponse. Tout à l'heure, quelqu'un avait dit que l'organisation était dans l'instinctif et une autre personne a dit l'organisation est dans le mental. Eh bien, c'est très intéressant parce que il serait intéressant que vous puissiez vous poser cette question. Tiens, par rapport à ma réponse, l'organisation de l'instinctif ou l'organisation mentale. Moi-même, est-ce que j'utilise prépondérément le centre instinctif ou prépondérément le centre mental? Mais en tous les cas, on voit que le même rôle peut être perçu de deux façons différentes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fonction des centres, il y a des choses qui peuvent être vécues et perçues différemment. Donc, par rapport au centre, donc le centre mental, on est bien dans la tête, dans la réflexion et les idées, on est dans le « je pense ». Le cœur, c'est bien les émotions, les motivations, les humeurs, ça correspond à la question « qui ». Et le corps, c'est l'instinctif, on est dans les objectifs, dans les actions, et ça correspond bien aux questions « quoi » et « comment ». On est dans le « je veux, je vais ». Encore une fois, on a tous les trois, mais on en privilégie un. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, en fonction de mon centre dominant, bien quels sont les autres centres, évidemment, et quel est le centre que j'utilise le moins et qu'on appelle en énéagramme le centre réprimé. Et donc, je vous pose la question pour vous, quel serait votre centre réprimé, le centre que vous utilisez le moins? Donc, si vous avez une idée, je vous invite à répondre dans le sondage. Je lance donc le prochain sondage. Quel est votre centre réprimé, à savoir
celui que vous utilisez le moins. Les mêmes réponses, en tout cas possibilités, que la première question. Centre instinctif, centre émotionnel, centre mental, je ne sais pas. Et vous êtes très, très réactif aujourd'hui. Donc, nous sommes presque à 60, nous sommes déjà à 70% et nous allons clôturer le sondage maintenant. Voici les résultats. Avec 39%, c'est le centre instinctif, ensuite 26% le centre émotionnel et 21% le centre mental. En dernier, 14%, je ne sais pas. Bien, mais merci beaucoup. Eh bien, pour chacun, en tous les cas, je ne vais pas poser la question là maintenant pour répondre dans le chat, mais pour vous-même, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous auriez à gagner en développant ce centre réprimé, à la fois dans votre vie privée et professionnelle. Donc, je vous laisse juste quelques secondes déjà pour prendre des notes, et puis je vous inviterai à continuer cette réflexion, par ailleurs. Donc, dans votre pratique de coaching ou dans votre pratique de leader coach, qu'est-ce que vous auriez à gagner à faire évoluer ce centre réprimé? Et maintenant, je vais passer au troisième sondage, puisque je sais qu'il y a des coachs parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas coachs, qui sont en entreprise, et peut-être des thérapeutes ou autres. Donc, maintenant, je m'adresse uniquement à la population des coachs, pour en fait avoir une idée si parmi la population des coachs, il y a un centre qui se différencie. Donc j'invite la population des coachs, uniquement j'invite les coachs, pardon, à voter uniquement. Alors parmi vous, quel est votre centre préférentiel? Et ça donnera une tendance là parmi toutes les personnes connectées. Alors voilà, donc ce sondage, c'est seulement pour les coachs. Nous sommes conscients que dans la communauté Synergie, il y a également des coachophiles ou alors des managers et d'autres personnes qui ne sont pas coachs et qui sont plutôt coachés. Donc ce sondage, seulement pour les coachs. Donc voici, en tant que coach, quel est votre centre préférentiel? Le centre instinctif, le centre émotionnel, le centre mental? Je ne sais pas. Alors ça monte très très vite et en effet, on voit déjà un peu de changement. En tout cas, je patiente encore. Donc là, on est à plus de 70%, 70% pour les Français. Et voilà, ça monte très très vite. On va arrêter le sondage ici et je peux vous dire que les résultats sont vraiment différents du premier sondage. Donc, voici les résultats. Donc, les coachs sont à 50% centre émotionnel, suivi de centre mental 25% et centre instinctif 23% et 2%, je ne sais pas. C'est très intéressant, là, Muriel. Oui, c'est intéressant, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Bien, mais écoutez, je vous propose de continuer, bien entendu. Si j'ai parlé des centres, c'est parce que les centres sont vraiment majeurs en énéagramme et que ces centres sont autonomes, ils sont parfois en conflit. C'est-à-dire, parfois, si je dois prendre une décision, je prends ma décision, mais je sais peut-être pas forcément, j'arrive pas à la mettre en pratique. Donc, voilà, ces centres fonctionnent de façon autonome et l'idéal serait qu'ils soient équilibrés, parce que s'ils sont équilibrés, à ce moment-là, alors, j'incarne. Et ces trois centres, en fait, contiennent chacun trois types de persos avec trois orientations d'énergie. Et ça constitue en fait les neuf types de persos, c'est-à-dire les neuf styles de leadership. Donc, j'y viens. Les trois centres en question, si je prends ici, par exemple, le centre instinctif qui est le 8-9-1, le 8-9-1, en fait, il y a de l'énergie qui est soit dirigé vers l'intérieur, soit dirigé vers l'extérieur, soit intérieur et extérieur, en fonction de mon type. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le tour des neuf profils de façon brève. L'idée est de vous donner une introduction, bien entendu, et que vous ayez une idée des styles de leadership de chacun. Donc, exprès, je ne vais pas vous donner les vrais noms.
parce que si je vous donne déjà les vrais noms de chacun de ces types, ça va créer un biais. Et ça peut créer un biais du style ah oh, j'aime pas ce mot-là ou j'aime pas. Et donc je préfère rester neutre et appeler chacun des types 1, 2, 3, 4 pour une question d'objectivité. Également apporter ceci, il n'existe pas de type meilleur qu'un autre, absolument pas. Et on se reconnaît dans les neuf, ceci dit, on a une dominante. Et donc, je vais commencer par le type 1, par exemple. Ben, le type 1, en fait, en Ennéagramme aussi, pardon, il y a neuf niveaux de développement et considère que quand on n'a pas fait un travail de développement personnel, on est dans ce qu'on appelle notre ego, c'est-à-dire un niveau moyen de développement. Et donc, il est un, quand on commence à travailler sur soi, on atteint les niveaux de liberté. Donc, je vais vous parler en fait du niveau moyen et de ce que ça peut donner quand on évolue. Donc, je commence par le type 1. Le type 1, en fait, il voit d'abord les erreurs et il voit ce qui ne va pas, il voit ce qui n'est pas bien et il voit ça parce que sa motivation principale, c'est l'amélioration continue. Donc, pour lui, tout est toujours améliorable. Et comme tout est toujours améliorable, ben, il voit effectivement les erreurs, ce qui ne va pas, etc. Et quand il voit cela, ça peut le mettre en colère. Et effectivement, comme tout est améliorable, eh bien, il a des standards élevés. Il a un niveau d'exigence particulièrement élevé. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, de détail, de détail, parce que je n'en aurai pas le temps et j'ai vraiment envie de vous donner un aperçu des neuf. En tous les cas, c'est quand il est dans un niveau moyen de développement, je dirais, il va surtout être critique, il peut être cynique, il va avoir vraiment tout ce qui ne va pas, il va être à la recherche de la perfection. Et quand il évolue, en fait, eh bien, il se rend compte que le perfectionnisme n'existe pas. Et donc, il va se contenter, entre guillemets, de ce qui est le mieux par rapport à la situation, par rapport aux personnes, etc. Donc, il va, en fait, toujours être exigeant, mais il va être plus tolérant envers lui-même et envers les autres. Donc, son mode de leadership, c'est par l'exemple, et c'est quelqu'un avec une forte éthique également. Donc, ça, c'est vraiment important. Le type 2, alors lui, ce qu'il voit, en fait, ce sont les besoins chez les autres. Et il identifie clairement les besoins des autres, et il y répond vraiment, instantanément, parce qu'il est motivé par la reconnaissance, par le regard de l'autre, en fait. Et par conséquent, ça va l'amener à avoir certains comportements pour avoir ça. Alors, il n'en est pas forcément conscient, bien entendu, mais il va, je dirais, apporter son service, apporter de l'aide. Et en apportant son aide spontanément, il va donc créer chez les uns et les autres, en fonction de qui les gens sont soit une satisfaction, soit pas. Et comme il a besoin de cette motivation, eh bien, il va vraiment être parfois dans la surenchère de ce service. Et donc, il va retirer une certaine fierté de ça. Et quand il est dans des, quand il a évolué, en fait, eh bien, ça devient, je dirais, un leader qui a porte énormément d'amour, mais qui apporte, je dirais, qui est très orienté amour authentique. Je veux dire par là qu'il n'est, il est plus dans ce côté recherche du regard de l'autre. C'est toujours là, évidemment, mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion d'amour authentique qui est importante. Elle est dans la connexion. Le type 3, en fait, lui, il voit d'abord, il est drivé par les objectifs. Il est drivé par les objectifs et les résultats parce que il est vraiment motivé. Donc, quand je dis motivé, c'est qu'il y a vraiment un énorme besoin, hein, par le succès. Et parce que il est motivé par le succès, en fait, lui, il est
Il va mettre son attention donc sur des projets qui vont lui apporter une reconnaissance sociale et donc il va s'identifier en fait à ses projets, sa réalisation, etc., pour avoir cette reconnaissance sociale. Et le positif, c'est effectivement qu'il est vraiment drivé par le côté objectif et au fur et à mesure qu'il va évoluer, eh bien, il y aura toujours le côté objectif, mais là, il va pouvoir accepter qu'il existe des échecs et il va être plus authentique, c'est-à-dire qu'il aura moins besoin de cette reconnaissance sociale et il va se connecter, il va réaliser des projets qui lui tiennent vraiment à cœur et pas forcément pour cette reconnaissance sociale. Et donc, c'est un leader, je dirais, qui va pouvoir apporter des relations fortes, qui va communiquer vraiment fortement, qui va aussi valoriser chacun une fois qu'il va bien en tous les cas, quand il est dans le meilleur de soi-même. Alors, le type 4, on est toujours dans l'émotionnel, donc toujours connecté aux autres. Le type 4, lui, ce qu'il voit en fait au départ, ce sont les manques. Et il voit le manque, donc ce qu'il manque, parce que sa motivation principale, c'est se différencier. Et donc, comme il cherche à se différencier, il a besoin de faire des choses qui soient pas routinières, qui soient de l'extraordinaire. Il a besoin de beau. Et dans sa façon de manager ou de diriger, il va apporter, en tous les cas, il va faire en sorte d'apporter quelque chose qui ne soit pas routinier. Donc, il va rendre des choses belles. Donc, il va diriger, je vais dire, par une vision et par la connexion. Donc, il va, en fait, il n'est plus forcément, quand il est bien, quand il est évolué, il est moins intéressé par sa vision uniquement personnelle. Il va aller chercher, en fait, sa vision personnelle qui va relier à la vision de l'organisation et il va aller transcender cela. Le type 5, là on est vraiment, on rentre dans le centre mental. Le type 5, lui, il voit d'abord, il observe. Il a besoin de comprendre le monde. Donc on est dans le centre mental et il a besoin d'informations. Donc il va aller collecter énormément d'informations parce que sa motivation principale derrière, c'est l'indépendance. Et donc au plus il va collecter d'informations, au plus, il va avoir une indépendance d'esprit et l'indépendance peut toucher aussi d'autres domaines. Mais en tous les cas, il va, je dirais, mettre l'accent sur les informations. Il va mettre l'accent, il va avoir tendance, puisqu'il sera dans l'analyse de ce qu'il comprend, etc. Donc, il va avoir une tendance aussi quelque part à se détacher du réel et il a besoin d'isolement. Et donc, dans sa façon de manager ou de diriger, il a besoin de créer un espace de protection, il a besoin de cet isolement, de ce retrait. Et donc, quand il est dans un niveau moyen, on va dire, dans ses comportements automatiques, hein, dans son ego, comme on dit en énéagramme, eh bien, il va être dans cette recherche d'informations, mais il va pas forcément accorder de l'importance au développement des autres. Il y a une distance émotionnelle très importante. Et quand il est bien, par contre, quand il est évolué, eh bien, à ce moment-là, il est plus, je dirais, dans une. Il va se connecter davantage, je dirais, aux autres dans le sens pour les faire grandir. Voilà. Là, il va être en capacité d'érudition pour les autres aussi. Alors, le type 6, on est aussi dans le centre mental. Alors, le type 6, lui, il est, je dirais, il voit d'abord les dangers de sa planète. Il voit cela parce que sa motivation principale, c'est la recherche de sécurité. Et donc, comment il arrive à cette sécurité? C'est par la remise en question
Et le doute. Le doute fait partie vraiment, tout le monde peut douter, bien entendu, mais le doute fait partie vraiment du type 6. Et en fait, il va passer beaucoup de temps à remettre en question ce qui est, à remettre en question une analyse, à remettre en question ses propres réflexions. Et puis après, il va aller vérifier. Puis, OK, il y va. Puis, il vérifie à nouveau, il doute, etc. Voilà. Donc, il est vraiment dans le côté mental très important. Et parce qu'il est là-dedans, en fait, il est en capacité d'apporter des solutions créatives à des problèmes. C'est ce qu'il apporte, et pas que ça. C'est, je dirais, il y a quelque chose de fort aussi. C'est la loyauté. Il est vraiment quelque chose de très fort, et il est, par rapport à ses équipes, il va vraiment apporter un confort. C'est quelque chose qui lui est vraiment important, c'est de faire en sorte que ses équipes soient bien. Voilà, il y a un côté, il veille sur ses équipes. Et le 6, il y a deux sortes de 6 en fait. Il y a des 6 qui sont, vous vous souvenez, je vous avais expliqué que l'émotion du centre mental, c'était la peur. Donc le 6, il y a deux sortes de 6. Il y a des 6 qui sont conscients de leur peur et il y a des 6 qui ne sont pas conscients de leur peur. Et ceux qui sont conscients, en fait, ils peuvent avoir un comportement un peu bravard comme ça. Voilà, c'est une différence qui est importante. Je pourrais continuer, mais je vais passer au 7 et au 8 et au 9. Le 7 qui est le centre mental, le 7, en fait, lui, ce qu'il voit, ce sont les possibilités. Tout est possible et il voit ces possibilités parce qu'il est motivé par le plaisir. Alors le plaisir est une grande, est un grand besoin pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui le drive. Et en fait, la possibilité peut même être plus intéressante que la réalité. Et il a énormément d'idées, comme le 5. Il capte très vite, comme le 5. Et en fait, pour lui, une thématique importante, c'est la liberté. Il voit les possibilités. Et comme tout est possible, eh bien, une difficulté qu'il peut avoir, c'est de mettre des limites, par exemple, et donc, ou de renoncer. Et donc, comme tout est possible et qu'il fait des liens très facilement entre les choses, eh bien, il va apporter beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'innovations, et il va adorer partir d'une page blanche et tout construire. Je reviens au centre instinctif, qui est le type 8. Alors le type 8, lui, ce qu'il voit en fait, il perçoit le monde en termes de rapport de force et en termes de fort et faible. Pour quelle raison? Parce que sa motivation derrière, c'est le contrôle. Alors le contrôle, souvent, c'est un mot qui n'est pas très apprécié, mais je vais l'expliquer autrement. Faire que les choses se fassent comme il souhaite, en fait. Donc, il va exercer un contrôle sur les situations, sur les gens, etc. Mais c'est une façon, quelque part, de garder le contrôle dont il a vraiment besoin. Et donc, pour ça, il va être dans des rapports de force. Il y a quelque chose qui est très important pour lui. C'est la justice, et il va faire en sorte, comme il est dans le contrôle et qu'il est dans les rapports de force, il va en fait éviter de montrer sa faiblesse ou éviter les faiblesses. Voilà. Donc, quand il est en fait dans des comportements égotiques, c'est-à-dire sous l'emprise de son comportement automatique, on va dire que c'est un bulldozer qui peut être perçu comme faisant pas attention aux autres, mais par contre, quand il est évolué, à ce moment-là, il s'ouvre beaucoup vers l'autre et il est en capacité à ce moment-là de pouvoir également montrer ce qu'il considère comme étant une faiblesse. Ce qu'il considère comme étant une faiblesse n'est pas forcément perçu comme étant une faiblesse par un autre. Et donc, à ce moment-là, quand il est dans sa toute-puissance, parce que le 8, c'est ça, c'est la puissance, il va pouvoir porter des projets, mais des projets de façon rapide, de façon vraiment. Il a vraiment toute une énergie et il peut prendre en main des grands, grands projets et embarquer plein de gens avec lui. C'est pour ça que j'ai mis les grandes actions, en fait. Et maintenant, je vais passer au type 9. Alors le type 9, ce qu'il voit d'abord, ce sont les points communs entre les gens. En fait, lui, il est motivé par la paix.
la paix intérieure, par l'harmonie. Et parce qu'il est motivé par cette paix harmonie, par cette paix intérieure et par cette harmonie, il va mettre en place des comportements pour pouvoir avoir cette motivation qui vont répondre à ce besoin. Et comme il y a ce besoin d'harmonie, en fait, eh bien, il peut éviter les conflits. Il peut éviter de se positionner aussi, parce que être dans le conflit ou se positionner, ça peut être un risque de briser cette harmonie ou cette paix intérieure. Donc, ce qu'il apporte vraiment de très chouette, c'est le fait que c'est un médiateur. Il voit les points communs, il apporte énormément de confort, énormément de douceur aussi. Et quand il va bien, quand je dis quand il va bien, c'est-à-dire quand il est évolué dans son leadership, hein, en Ennéagramme, effectivement, on dit quand il va bien, mais quand il est évolué, eh bien, il va pouvoir à ce moment-là apporter, je dirais, il va pouvoir se connecter à d'autres ressources en lui. Et s'il avait été, par exemple, dans une période de temps un peu latente, et ben à ce moment-là, il peut se connecter à des ressources en lui qui vont le faire bouger, qui vont le mettre en réalisation de ce qu'il souhaite. Donc, de façon très brève, et je répondrai à d'autres questions, bien entendu, et je serai amenée à compléter aussi certaines choses, pas tout, mais je vais vous donner quelques exemples, parce que je vous ai donné les motivations, et que la motivation, c'est vraiment une clé importante pour identifier votre type de perso. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que un comportement peut être identique, mais par contre, la motivation est différente. Et c'est là que c'est important quand on est dans notre coaching pour nos clients ou pour nous-mêmes déjà, hein, pour nous-mêmes, ou si vous êtes dirigeant en entreprise, eh bien, je vais donner un exemple concret. Éviter le conflit, c'est un comportement. Il y a plein de gens qui peuvent éviter ça pour différentes raisons, que ce soit éducationnel ou la culture du pays dans lequel la personne elle a grandi. Mais si je mets ça à part, il y a trois types qui pourraient éviter d'être en conflit. Moi, je vais vous donner en fait des exemples vécus dans les coachings. Je me souviens d'un dirigeant que j'avais accompagné en coaching qui devait mettre en place un ERP pour des milliers de personnes. Et en fait, lui acceptait beaucoup de choses. Donc, il prenait beaucoup de singes, comme on dit, sur ses épaules et il disait toujours oui. Et en fait, en travaillant ensemble, il me disait oui, mais j'adore faire plaisir. Donc, il avait un driver de faire plaisir. Et pourtant, en travaillant ensemble avec l'énéagramme, il s'est rendu compte à un moment donné, il y a eu vraiment un moment. Un déclic, c'est dit, en fait, je pense que je le fais pour faire plaisir à la personne, pour l'autre, mais finalement, non, je le fais parce que je ne sais pas refuser, parce que sinon, si je refuse, il peut y avoir un conflit potentiel. Et ce conflit potentiel fera en sorte que je me sentirai mal, je ne serai plus en paix avec moi-même. Donc là, c'était fort. Et à partir du moment où cette personne s'est rendue compte du mécanisme qu'elle mettait en place, hein, et qu'elle restait dans son, on dit, dans des comportements conditionnés, à partir de ce moment-là, elle a pris la décision d'arrêter de faire ça et de se donner l'autorisation de faire autrement, donc d'évoluer dans son leadership. Et donc, j'évite les conflits. La motivation du neuf, c'est pour être en paix avec moi-même. Mais si je prends par exemple une autre personne que j'ai rencontrée en base 7, qui me disait dernièrement, oh là là, je ne sais pas pourquoi, je n'ose pas entrer en confrontation avec cette personne. Et donc finalement, elle a réalisé, elle a pris vraiment conscience qu'elle ne le faisait pas, parce que si elle le faisait, elle allait en fait engendrer une souffrance. Or, le 7, je vous le rappelle, il est motivé par les plaisirs et il cherche à éviter la souffrance, la sienne et celle des autres. Et par conséquent, cette personne, eh bien, adoptait un comportement de retrait qui la rongeait finalement, qui lui tournait beaucoup dans la tête, mais parce qu'elle ne voulait pas apporter une souffrance à l'autre, en tous les cas lui faire mal. Donc, c'est le même comportement, mais pour des raisons différentes.
Et la même chose, éviter le conflit pour le 2, par exemple, qui est une base émotionnelle. Comme ça, vous voyez, c'est le même comportement pour une base émotionnelle, une base instinctive avec le 9 et une base mentale pour le 7. C'est le même comportement, mais motivé de façon différente. Le 2 aussi, pour éviter les conflits, parce que le conflit pourrait l'amener, en fait, à ne plus avoir cette image qu'il recherche et avoir cette reconnaissance. En fait, donc on voit bien que l'énéagramme là est puissant en coaching parce que si j'identifie en fait le type de personnalité de mon coaché, de mon client et que je sois coach interne, coach externe ou leader coach, donc la personne de mon équipe, ça me permet d'avoir des clés beaucoup plus sur mesure pour pouvoir accompagner cette personne dans le développement d'elle-même. Et ça me donne aussi des clés, donc motivationnelles, pour avoir des leviers d'action. Et ça me donne aussi, moi, des clés pour pouvoir communiquer de façon plus adaptée avec cette personne. Et donc, l'énéagramme, là, a toute sa puissance. Et en coaching, ça permet d'apporter des compétences, ça permet de développer notre écoute, ça permet de développer le questionnement puissant et ça permet de développer aussi notre présence. Donc, pas que, hein, mais en tous les cas, ce sont quelques compétences qui sont boostées. Et pour les personnes qui sont dirigeants d'entreprise, qui sont parmi nous, eh bien, ça vous donne aussi, et comme pour les coachs, comme tout un chacun d'ailleurs, quand on est confronté à une situation, quand on est pris par notre blind spot, que je sois de type 1, 4, 7, 8, 9, qu'importe, qu'importe, eh bien, il est intéressant de pouvoir aller chercher en fait des réponses dans les autres bases. Et l'énéagramme est vraiment un modèle qui est ouvert, vraiment très ouvert. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des clés sur mesure dans notre type, mais on a aussi des clés sur mesure parmi les centres, parmi les types, pardon, auxquels nous sommes connectés. Donc, si je dis par exemple, si je prends la base 1, c'est juste pour vous donner un exemple, si je prends la base 1, je vois qu'elle est connectée avec les flèches à la base 4 et avec la base 7. Eh bien, dans mon développement du leadership, dans ma connaissance de moi, en fait, si je me connecte, si je suis une base 1 qui a des difficultés à me détendre parce que je suis toujours en train de peaufiner, parce que je vois ce qui ne va pas, etc., et que j'ai mon standard de perfection, de perfectionnisme, eh bien, je peux avoir des clés, aller chercher dans ma petite mosaïque 7 qui est là, qui est endormie, et je peux aller, en fait, aller chercher plus de liberté, plus de plaisir. Je peux me connecter aussi et développer mon centre mental. Je peux développer mon centre mental à l'intérieur de mon 1, bien entendu. Mais voilà, en tous les cas, ça donne des pistes vraiment sur mesure pour vous aider à développer votre propre leadership, le leadership de vos équipes, et également accompagner vos clients en coaching. Et donc, ces 9 styles de leadership, et bien ça correspond en fait à 9 façons de se définir. Je vous les montre pour que vous puissiez peut-être, évidemment, on se reconnaît dans les 9, mais il y en a un qui est plutôt dominant. Voici les 9. Donc, je suis droit et travailleur pour le 1, j'aime et j'aide pour le 2, je suis efficace et je réussis pour le 3, je suis différent et sensible pour le 4, je sais et je comprends pour le 5, je suis loyal et je fais mon devoir pour le 6, je suis optimiste et toujours heureux pour le 7, je suis fort et juste pour le 8, je suis facile à vivre et calme pour le 9. Voilà. Donc, ce sont des façons de se définir et en fait, le centre apporte vraiment beaucoup de choses parce que le centre va apporter certaines qualités dans la façon dont on exerce notre rôle. Le mental, la vision stratégique, ça va être une aide. Et ce n'est pas pour autant que je vais être super douée en vision stratégique parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais en tous les cas, c'est vraiment un atout déjà. Une autre façon de définir son type, un autre élément clé, mais je ne vais pas vraiment le développer maintenant parce que je pense que l'heure arrive bientôt à la fin, ce sont les sous-types.
Voilà, ce sont les sous-types. Il y a trois sous-types en énéagramme. Le sous-type survie, social et tête-à-tête. Alors, juste pour info, le survie, c'est vraiment tout ce qui touche à la survie, donc aux questions de sécurité, de sommeil, de santé, etc. Le social, c'est j'appartiens à un groupe, le groupe est important pour moi. Et le tête-à-tête, c'est la relation en one-to-one est importante pour moi. Donc, en fonction de mon sous-type, mais ça, ce sera peut-être une suite. Dans un autre webinaire ou dans un e-book ou ailleurs ou dans un livre que vous lirez, mais en tous les cas, ça va venir colorier votre type et ça peut être d'ailleurs un élément qui peut vous aider aussi à identifier votre type de perso. Voilà. Et donc, il y a trois vraiment éléments à prendre en compte, le centre, la motivation et le sous-type. Comment on développe son leadership, en fait, c'est d'abord à l'intérieur de son type, comme je l'ai dit, hein, en fonction à l'intérieur de son type. Et puis, on peut aller chercher effectivement dans les ailes. Les ailes pour le type 1, ça va être le 9 et ça peut être le 2, c'est-à-dire les côtés. Et on peut aller aussi développer son leadership, je dirais, en ayant les ressources de nos flèches. Je vais dire ça comme ça. Et dans les sous-types et dans l'équilibre de nos centres, en fait. Voilà, et s'inspirer de tous les sous-types. Voilà, il est important aussi de vraiment que ce soit vous qui identifiez votre type, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des comportements qui peuvent avoir des motivations différentes. Et ça s'applique en communication, en coaching individuel d'équipe. On peut également dire, ben, dans mon pays, moi j'ai vécu en Belgique, la Belgique est de type 9, très consensuelle. La France, à mon avis, elle est type 4 avec une belle L3, etc. Voilà. Merci. Un grand Merci. merci, Muriel, pour cette très belle et très passionnante présentation. J'aimerais donc en profiter également pour remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est l'une des représentantes de l'ICF Synergie en Tunisie et également membre de l'ICF Tunisie. Alors bonsoir, Nefissa, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bonsoir et bonjour les synergiens et synergiennes. Effectivement, bien qu'on soit aujourd'hui très très nombreux, c'était très calme. Ah oui, alors là. Les participants, oui, c'était très calme. Et à tel point, je pensais que j'avais un problème dans mon ordinateur. Nefissa, j'ai pensé à la même chose que toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réaction. Ils sont tellement concentrés. Ils écoutent vraiment Muriel, mais à du 300%. Donc, je ne sais pas quel est le type là qu'on peut associer à ça, mais ils étaient tous très concentrés, en tout cas Muriel, à ta présentation. Eh bien, Ouais, et c'est super, c'est super. Je veux juste ajouter quelque chose, c'est que pour d'autres informations complémentaires, il y a un e-book. Et donc là, je mettrai le lien sur la page ICF. Hein. N'hésitez pas à venir vous enregistrer pour avoir l'e-book, pour avoir des informations complémentaires. C'est offert, c'est un cadeau après ce webinaire. petite précision, ce sera dans les deux groupes, c'est-à-dire sur Facebook, vous connaissez le groupe sur LinkedIn. Donc Muriel propose de vous offrir un petit cadeau. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous retrouverez donc les slides de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et qu'il vous permettra de continuer votre chemin sur la connaissance de vous-même et de mieux comprendre le fonctionnement des autres au travers de cette introduction à l'énéagramme et qu'il vous donnera l'envie de découvrir ce modèle pour votre pratique de coach. J'aimerais remercier Nefissa et Muriel. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Muriel, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à chacun. C'est vraiment très très chouette d'avoir participé au sondage. Ça nous donne vraiment des informations précieuses et j'espère que ça vous a donné l'envie d'en savoir plus. En tous les cas, je ne peux que vous inciter à lire et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver chez ICF Synergie ou ailleurs sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci Au Muriel. revoir et bonne soirée. Au Au revoir. revoir à tous, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.